Bote na bino nyonso balandi ya télé Damas lelo to memeli bino lisusu invité na biso ya sika évangéliste Prince Land beaucoup découvrir le na makambo ya sika mais na kosenga na bino bo s'abonner massivement évangéliste Prince Land bonjour. Bonjour madame. Lelo to kolobela na makambo etali vaccin ya corona oyo balubatu susu bazolo bake eza na Marc de la Bête 666 mais évangéliste Prince Land toko banda nanu na ba question ya actualité par rapport ya liwa ya disparition ya apôtre Emmanuel Mbie ba makambo ndenge le kaki na kati na ndenge ya liwa na ye pona yo le bini. Bon, d'abord, ça choque. Oyo. Et Bikokoya dans le corps de Christ en général, dans la RDC. C'est un grand homme qui a servi le Seigneur à battre un combat. Oyo, je présente mes condoléances à toute la famille biologique et spirituelle. Il y a apôtre Emmanuel Mbie. Et là, quand il s'est appelé, ça tinga beaucoup plus. C'était au moment où réunir encore ses enfants spirituels pour réorganiser encore la grande communauté Cité Bethel. Pour moi, c'était quelque chose de bon et de meilleur. Et ça, le colandé Nzambé a eu ce qui est roi. Ézéchias, par le prophète Esaïe, que a même les messages, prophète Esaïe a même les messages que au Kokoufan, na maladie aux Anango. Mais Zambé a ébissé, mets de l'ordre dans ta maison. Et c'est un peu ce que l'apôtre avait fait, il a mis de l'ordre dans sa maison, a ébaki qu'on réorganisait encore la grande communauté Cité Bethel. Et ça, et là, on a sépé la Kinango Penza. Parce qu'avant sa disparition, moi, je suis dans ma mésentente, je suis dans la Kiwana, je suis dans la Kimia. Et c'est ça qui m'a plu beaucoup. Mais ce que je n'ai pas aimé, je n'ai pas compris aussi, pasteur Moïse Mbie, il n'a pas compris que la base où le papa n'a sala Kiwana, c'était pour son avantage. Il n'a pas compris. Parce que nous sommes un peu surpris de la manière dont Salimwa Makambumba Ngumbangu par rapport à mettre à la tête comme représentant légal il y a grande communauté Cité Bethel. Pour moi, c'est quelque chose qui est marché Penza Malamote. Il ne fallait pas procéder de cette manière. Parce que ils en a battu, oyo babanda ina papa na bango, utakala akoka koti kalani na assemblée centrale wana. Mais en ce qui concerne le représentant légal, fallait nan batika bongo comité wana oyo bazo kamba la grande communauté Cité Bethel balinga ki ba simé intérim pendant un moment et jusqu'à ce que consensus se kozala. Peut-être la consécration, il y a un représentant légal, il y a la grande communauté Cité Bethel. En ce qui concerne aussi un dinga se prosterna qui a fou comme qui devant apôtre Jean-Paul Mutombo. Bon. Ngapenza nde batwazo lobela yango, je j'aime pas vraiment yako lukako. Serrer moto ba vis lorsque moto ayebi ko perdre moto oza cher ponaye, vous savez, nous sommes humains, nous sommes humains. Azala qui est un peu perturbé, je ne sais pas vraiment ce qu'azala qui peut être perturbé, mais ce n'est pas quelque chose de bien. Moi, dans Zambé, tout un serviteur de Dieu peut se prosterner. Peut-être na ka oyo ya ya ko similier envers l'autre pour luka pardon na ye, pour luka bo réparer quelque chose. Bon, je ne sais pas ce qui est na apôtre
Léopold Mutombo, il y avait des choses qui se tiraient. Bon, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas vraiment quelles étaient ces raisons. Oui, pour ça qu'il y a fléchir ses genoux devant apôtre Léopold Mutombo. Là, je ne sais pas. Mais ce qui concerne la disparition de ces grands hommes, vraiment, nous sommes frappés, nous sommes touchés. Et que le Seigneur l'accueille dans son sein, donc c'est un peu ça. Je n'ai pas beaucoup de bisous. Question de Mali, je n'ai pas beaucoup de bisous. Le lot, Bazou Tamboula Bienté. Et ça, ma sang à ma coué bimi. Quit si ma coué bimi, na combo ya bombé. Bon. On a eu au Louvini. Donc, les acas, je n'ai pas beaucoup de mila yango. Bazou mila, on a des gens sakanati. Bon. Merci Nabiso. Dengezo Kendele. Bon, on ne sait pas vraiment quoi dire, quoi faire par rapport à cela. Parce que Sali est fort, il y a pour découvrir quelque chose d'invisible à la santé, à le cerveau et à Moutou. Donc, on nous conseille aux jeunes. Mais qu'un peu qu'on s'est donné Namakambo Oyo. Qui donne de la valeur hein, un peu na katamboka. Pour ça, la recherche monko qui vous apporte rien que vous détruit. Peu importe la raison de bazo kolobake parce que misa les athées. Mais vous savez, surtout parcouru aujourd'hui partout dans le monde, il y a toujours tout monko ya chômage. Montonio surtout au Kuta dans partout dans le monde, même si na ba États-Unis, na France, au moins il y a aussi des jeunes, il y a aussi des gens au bazar na kata chômage, bazar travailler. Est-ce que cela, ils ont raison pour eux, il y a quelqu'un de ça, ben recherche pour que cerveau de l'homme parce que je regardais les images ndenge qu'est-ce qui se passe, c'est qui même étonnant aussi, il y a même des femmes, il y a des femmes, des agents de l'ordre, c'est vraiment et ça la passe degré oyo mboka na biso eza ko kendele, vraiment nous sommes touchés. Dans la classe nous sous ba sale bano ba uti ko sale examen d'état ba ki ba vidéo kuna do atikali bolumbu na ndengo sakanate. Bon, en ce qui concerne cette vidéo ya bana oyo bien ces problèmes na banda ko butozo mona bango bana mais li banda o bazo sale ya somo. OK, bien sûr que Libanda, Baza, Batumsus. Vous savez, aujourd'hui, notre société est traversée beaucoup de vagues en ce qui concerne les sex-tap. Musicien, sex-tap. Ministre, sex-tap. Pasteur, sex-tap. Donc, sex-tap, journaliste, sex-tap. Aujourd'hui, sex-tap, et ça, on a tout. Hein? Toutes les couches, il y a un beau cannabis. Vous savez, et Choka Kinga, bien sûr, comme on a bana, mais ce qui m'a fait beaucoup plus mal, c'est que lorsque je suis allé à Bolumbo, il y a un bateau élevé en dignité. Un bateau élevé en dignité, un ministre, un pasteur, un chantre, un musicien. Donc ça m'a touché parce que, vous savez, lorsque tu es élevé en dignité, aux ans à battre belé au baza ko landa makambo salaka baza ko suivre de près ce que tu fais. Donc c'est qu'on peut dire que dans notre pays aujourd'hui, la jeunesse, ce qui manque à la jeunesse, dans notre jeunesse, ce sont des repères. Il n'y a plus de repères. Bah classe nini oyo batu bakoyi ko landela bango comme étant des exemples parce que pasteur va salisser là, ministre va salisser là. Donc nous sommes un peu dans une situation je ne sais pas comment expliquer, mais ce qui m'a plu beaucoup dans ces choses, et ça, le ministre a ébaki ko se ressaisir face à sa décision. Parce que a ébaki ko exclure banawana na niveau nyonso en ce qui concerne la formation ce qui est relatif avec l'école. Mais lorsqu'à ces récessions, moi vraiment on a le coup de chapeau à notre ministre, c'est vraiment bien parce que ceux qui t'ont abandonné banawana aujourd'hui
nyoso bakosala o bako devenir lobby dans leur vie et ko tomber toujours sur la tête de l'État. Vraiment coup de chapeau à notre ministre parce qu'on s'est ressaisir par rapport à ces décisions que bana wana babaza encore est-il parce que c'est ça même le but le but de la société. Et ça, il y a qu'on doit corrompre tout homme utile. Si la société aujourd'hui abandonne ses enfants, mais ça veut dire que tout ce qui bango a leur propre sort, or ça ne sera pas vraiment quelque chose d'honorable pour notre pays. Vaccin ya corona bat mususu balobi ke ndenge bat bazo loba ke vaccin wana eza na marque de la bête ya 666 pona yo lobi bon ndenge bat mususu bazo loba ke vaccin ya ba vaccin o ezopesa manatina ya coronavirus eza na marque de la bête. Nabande koloba ke il faut ko yeba esika likambo ebandi po yeba ndenge nini ya ko yeba ko parler sur ça en ce qui concerne la marque de la bête. Marque de la bête est la marque de la bête. Et puis vaccin à coronavirus est un vaccin à coronavirus. Tout me ka ko évaluer et de bien voir. Tout suite vaccin ebele. Et dans notre pays, chaque femme aujourd'hui a une grossesse a joué 3 fois vaccin. Et périodiquement, je crois 3 mois, a joué vaccin. Et aussi des produits que nous consommons, tous viennent de l'Europe. En parlant que marque de la bête avec vaccin à corona. Bon. Peut-être parce que ça, la théorie na bango, mais moi j'aimerais que le peuple de Dieu va se fixer, va comprendre l'état où nous sommes. Bah tu vas courir te parler un peu beaucoup en ce qui concerne les choses dont bah ça pense la maîtrise n'angote. J'aimerais dire ainsi. Pour parler de l'eschatologie, il faut maîtriser bien livre et la Genèse. Ce qu'on comprendre Genèse bien, tu parleras aussi bien de l'Apocalypse. Vous savez, pour parler na makambu oyo et que ça la manatan de la fin, il faut comprendre d'abord ce qui s'est passé premièrement. Donc, toko ko lobela makambu sukate, ce qui te comprend non makambu yambote. Or, qu'est-ce qui s'est passé na yambo? Ce qui s'est passé na kata jardin d'Eden. Parce que lorsqu'on parle Natina bâton de la fin, on parle des lèvres intensives. Intensives, il y a monde à ténèbres sur le monde. Or, les œuvres, il y a monde de ténèbres sur le monde a commencé dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Le serpent est venu pour séduire. Pour séduire la femme, bon, en général l'homme, pour écarter l'homme. La présence en Zambé, peut que l'on a un plan de Dieu. C'est ça le problème. Il faut comprendre d'abord rise ya diable. Avant ya kolobe la marque de la bête, to lorsque la bête se lèvera, on doit maîtriser et comprendre d'abord ce qu'on appelle l'apostasie. Parce que ben événement nyoso ya temps de la fin. Avant que ça s'accomplisse, premièrement, il y a l'apostasie. L'apostasie, Zanine, l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Donc, avant que la marque de la bête ou la bête a s'élevé, il faut que l'apostasie ait se plané. Nous sommes dans ce temps-là. Oh, l'apostasie, l'abandon de la foi. Batwa ken dessus église pour na lolaté. Batwa ken dessus église pour na zambété. Batwa comme ko ken pour des biens matériels, batwa comme ko s'attacher na ba doctrine des démons. Donc nous sommes dans un temps oyo, l'apostasie ça ko se planer. Et ça comme fan dit ça. Ce que tangi na Apocalypse chapitre 13 wana. Et si ko bazo la marque de la bête, au bandi à partir ya verset 16, au bandi ko kita. Tango tanga premièrement mona ke on parle de la bête.
la bête ya yambo oyo aibi ko bima et les dragons les diables aibi ko tike la trône na ye. C'est là qu'on appelle la bête. La bête doit qu'on s'élever. Mais je vais expliquer la bête. La bête a qu'on s'élever premièrement Apocalypse chapitre 13 au Azolobela. La bête a liboso a kobima. Ye wanande la bête. Oh le diable a qu'on cédé le trône na ye. Le diable lui investira des pouvoirs. Et deuxièmement, si on continue encore l'ertu, au moins encore, bête moussou soit bimaki. Bête wana a sali ba miracle. A beli même moto outi ni kolo ekiti. A sali beaucoup de miracles afin de séduire. Batou, ba yba ko. Koye ba ko zwa marque de la bête. Vous savez, pour que la bête a s'élever, il y a deux couches ou deux classes d'hommes sur le monde qui va jouer un grand rôle. Ce sont des pasteurs ou bien les hommes de l'église, pour nous le pasteur kakate, les hommes de l'église et les hommes politiques. Deux classes d'hommes là qui va jouer un rôle très important en ce qui concerne la marque de la bête. Donc nous devons faire attention. Lorsque Tolobaka beaucoup en ce qui concerne dirigeant, vous savez, être dirigeant, ce n'est pas facile. Bato aujourd'hui, Bazako s'est précipité d'ouvrir les églises, d'être dirigeant, Kozala Nabatoumo, Kwazo Kamba. Mais sachez-le bien que dès lors que aux une responsabilité des âmes et des hommes, Yébato, nous sommes Koko, mais la bango Boutouna Moïsana Moutouna Yo. Tu le justifieras devant le Seigneur. Ce n'est pas quelque chose de facile. Ce qui n'a lobby quelque chose de malhonnête, ce qui n'a sali quelque chose Oyo, et ça conforme à la parole de Dieu. Yéba qui a entraîné beaucoup dans l'erreur ou dans le mal. Pourquoi? Parce que Naza Moutou ou Nazo Kamba. Être berger, ce n'est pas facile. Donc, deux classes d'hommes dans le monde va jouer un rôle très important pour séduire les hommes en ce qui concerne la marque de la bête. Et c'est l'état où nous vivons, où beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de bergers, beaucoup de dirigeants, beaucoup d'hommes politiques, c'est versé dans le cadre de l'occultisme pour séduire plusieurs. Et en parlant de la marque de la bête avec le vaccin n'a rien à voir avec la marque de la bête. Rien à voir. Vaccin à œuvre humaine. Peu importe aujourd'hui, suspendre vaccin AstraZeneca en France, parce que ils ont un élément nocif, bien sûr. Mais ça ne fait pas dire que vaccin, il y a Corona, et ça inclut la marque de la bête. Non, je ne pense pas. Marque de la bête, c'est la marque de la bête. Qu'est-ce que c'est ni marque de la bête? Lorsqu'on dit marque de la bête, dans d'autres versions, on va parler de la signe. Signe, la marque signe. Eza nini, eza elembo ya kotali sa ton appartenance au diable. Maintenant, ce que l'on que ndenge vaccin ya corona et bandi, nde bazo pe sabato marque de la bête. Bon, disons. Donc, batou nyo so ba koufa, o ba leka, ils ont servi les diables. Ils ont vendu leurs âmes au diable. Bazaki na marque de la bête, t'es. Il y a des choses très faciles, il faut réfléchir là-dessus. Il faut comprendre, la marque, ça veut dire tout simplement que c'est lui qui appartient au diable ou c'est lui qui appartient à Dieu. Nous, les enfants de Dieu, tous avons la marque aussi du Seigneur. Apôtre Paul Azoloba, ne me faites plus de la peine, car je porte à moi les marques du Seigneur. Vous savez, nous avons les marques du Seigneur, les marques du ciel. Tout homme aussi qui a servi le diable a la marque aussi du diable, la marque de 666. C'est ça un peu la réalité, c'est ça aussi la vérité des choses. Donc, quand il va se courir dans ma cambo, lorsqu'on prêche les péchés, abandonnons les péchés. Aujourd'hui, dans le cadre du corps de Christ, bon, on l'appelle couramment les serviteurs de Dieu, mais ce sont des choses qui nous choquent. Ça nous choque, il y a au moins dans le cadre de l'église, poison et côté. Mais lorsque nous avons empoisonné Moutou, ou nous avons mabete, kaka vaccin, il y a coronavirus. Parce que Bible le dit bien, celui qui pêche est du diable. Or, la marque est symbolisée pour l'appartenance.
permanence. Or, ba ko kite, ko pe sa yo caché. Il y a diable ou il y a 667 au marque de la bête ndé batbazo lo bango wana sans pour autant que toi-même tu l'acceptes. Non. Tozo ba vaccin awa vaccin il y a fièvre jaune ici. C'était obligatoire. Mm-hmm. Et qui avant tout cas braza, il faut brandir vaccin il y a fièvre jaune avant au matin avion au voyage en aéroport, il faut brandir carte où on a vaccin. Est-ce que vaccin on a ça a été lié aussi na marque de la bête? Non, c'était pour protéger la population. Ça n'a rien à voir avec marque de la bête. Ça n'a rien à voir. Et que ça n'avait fait mon corps, oh yo, et ça contraire peut-être ça nocif, mais ça ne veut pas dire que vaccin à corona est lié à la marque de la bête. Marque de la bête, ça veut dire simplement l'appartenance au diable. N'attend à suivre vaccin wana. Peuple de Dieu, oh bah c'est l'ensemble na bo solo. Bah suivre vaccin wana et au sein de le côté. Ça n'a rien à voir avec eux. Vaccin, il y a corona. Vous savez, même en parlant de corona, ça a quelque chose, c'est la stratégie qui a été utilisée enfin à Koluka pour diminuer la population mondiale. Et puis, il y a Koluka. Beaucoup plus qu'à atteindre le cerveau de l'homme. Le cerveau de l'homme, c'est ça un problème. Mais ça ne veut pas dire que vaccin il y a coronavirus et ils ont un rapport avec la marque de la bête 666. Non. Ce qui a rapport avec la marque de 666, arrêtez de fréquenter des églises. Oh, bien que ce pasteur-là est dans l'occultisme. Parce que pasteur, on a mis un peu caché à 666. On a vos âmes, on a vendu un au diable. Qu'est-ce que vous pensez de la marque de la bête? Lorsqu'on parle que marque Kozala Naloboko Tonambundu, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que le diable prend contrôle de tes actions et ta pensée. Le front, c'est la pensée. La main, c'est les actions. Le diable prend contrôle de tes pensées et de l'action. Or, l'apôtre Paul dit dans Philippiens, chapitre 4, verset 8, que tout ce qui est bien, tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai, soit l'objet de votre pensée. Vous savez, le diable cherche la pensée de l'homme. La pensée. Nous devons veiller sur nos âmes. C'est ça qui est plus important. Tout ça là-bas, complot, mon côté sur vaccin, il y a coronavirus, ça n'a rien à voir avec la marque de la bête. La marque de la bête, c'est appartenance au diable. J'appartiens au diable. Donc, pasteur, aujourd'hui, bah, les âmes au diable, mais beaucoup d'hommes de l'église, bah, conduire des âmes dans l'enfer. Donc, bah, les âmes bah, ont accepté d'appartenir au diable. C'est ça la marque de la bête. Et ça, quelque chose de Oyo. Sans mourir au bête, pour les choses et bandité. Et ça, bon côté. Ce n'est pas comme ça. La marque de la bête, c'est appartenance au diable. N'a pas que les cas, n'a pas l'an zéro, qui ont servi le diable, bah, c'est la marque de la bête. Et ça, n'a pas autosali. Ceux qui servent le diable, bah, c'est la marque de la bête. Et maintenant, Nathan Otoza et Zatan apostasie. Le diable cherche à séduire. Parlons maintenant na terme il y a organigramme to organisation il y a royaume il y a ténèbres. Na kata royaume des ténèbres il y a les dragons, il y a la bête, il y a les faux prophètes. Les faux prophètes azo sala son œuvre, celle de séduire. Enfin que la bête a se levé. Afin que la bête a s'élevé. Aujourd'hui, beaucoup de choses se continuent dans l'église. Il y a même des faux miracles qui séduisent beaucoup les peuples de Dieu. Mm-hmm. Moi, je me souviens toujours, au début, il y a coronavirus. Nous avons prié Dieu. Tout bon est là qui nous a mis. Ce qui a étonné Dieu, au début, il y a coronavirus, même. Le peuple de Dieu, Bazo banga coronavirus. Comment cela? Bien aimé dans le Seigneur, ba floué koya. Mi pepe koya. Maladia somme koya. Mais
Retenez bien les versets. Quand nous parlons de la Bible, ou bah verset de la Bible, il y a des versets clés. Il y a toujours répété, toujours, peuple de Dieu, achetez des Bibles en papier. Parce que bientôt là, je l'annonce, nous allons continuer toujours à insister. Un temps arrive, où la Bible est en papier et vous allez susciter. Et vous allez susciter. Lorsqu'on a commencé à annoncer ces choses, vous savez, déclaration, il y a pape, qu'aujourd'hui la Bible est dépassée par les événements. Il faut un autre livre. C'est scandaleux. Lorsque na yoka ki déclaration y a pas pour na c'est scandaleux. Peuple de Dieu, achetons des Bibles en papier. Ce que ça même na makoki d'acheter beaucoup somba ibele pour sauver des générations à venir. Parce que ba verset clé otozo lobela, on ne sait pas. Parce que le Seigneur nous a dit par un message audible qu'un temps arrive où cette Bible sera supprimée, où beaucoup de versets seront modifiés, d'autres seront supprimés. Imaginons-nous un peu en ce qui concerne l'homosexualité, ce qu'elle a supprimé dans les livres à venir. Parce que pape s'est annoncé en gros, et cela arrivera. Le temps arrivera. Le temps arrivera. Les anges chercheront la parole de Dieu, ils les trouveront plis. Ça arrivera. C'est le temps de conserver l'autorité. La version authentique de la Bible. Je parlais de Marc chapitre 16. Bible lobby. Voici les miracles qui accompagneront. Ceux qui auront crié à mon nom. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom. Même s'ils boivent quelques breuvages mortels, ne leur feront pas de mal. C'est ça la Bible. Ce sont des choses à saisir. Lorsque tu crois, toi ton dimeli Christ. Peu importe ma fléau. Peu importe ce qui se lèvera. Peu importe ma vaccin. Peu importe ma stratégie, un monde de ténèbres, nous avons le nom de Jésus. Et le nom de Jésus nous suffit. Peu importe ma lobby, ma obé, ta biso, peu importe l'eau, ma zoya, nango, vaccin, na bango, zana, caché à 666, ça n'a rien à voir avec les chrétiens. Même si nous buvons quelques breuvages mortels, cela sera nul et sans effet. C'est ça la Bible. Ce sont des choses à retenir. Ce sont des choses à comprendre. Moutons ndimeli zambi à solo. Attenda que l'église pour en zambi. Attenda que l'église pour en lola. N'a pas peur. En ce qui concerne le vaccin à Corona. Laissons de terroriser le peuple de Dieu. Laissons de donner des faux prophéties. Laissons ce qu'on appelle la théorie des complots. Ça n'apporte rien. Ce qui nous apporte quelque chose, c'est notre foi en Dieu. Tout le monde a une vidéo, fait un vaccin, ils ont fait un vaccin. Et ça va tout soit pour kinini té. Tu as mis kinini maladie ma casse. Ba tout sou pétam sou ba koufa na o mila kinini. Est-ce que ça veut dire que kinini est na marque de la bête? Non, c'est une œuvre humaine. O muto asali, ba scientifique. Hein, et kozala toujours na moi ba bisika oyo et kozala malamu té. C'est un peu ça. Il va juste prince land. Ba ba koyé ba ndenge nini. Bisika oyo eza na marque de la bête pour na bayeba kokoma wana te tope ba oyo baza déjà na kati pour na bayeba na kobima ponde ngo utikolo lelo ba église ebimi ebele ba prophète ebele ba koti ba loge baza na kati ya libungi bazo mema pe ba na kati ya libungi ndenge nini bato bakoyeba kobima ba oyo baza koti déjà na kati bakoyeba kobima po bayeba ke kuna nde bazo pesa marque de la bête oyebi. Dieu prend soin de ses brebis. Zambé a eu un bateau yaye. Oui, koloba ouvertement boyé. Kotanga ba kombo. Ba tuana. Binonde ou bien avant, ba pasteur. Parce qu'en réalité, ba zé sou ba pasteur.
bazana ba tabandi na bango bazana ba kulu na ba entreté naka bazana ba criminel na bango qui travaille pour eux. Donc une fois au toucher à leur personne, donc tu auras des ennemis. Donc on a du mal vraiment s'exprimer à ce point là mais tu peux parler quand même na ba bilembo afin que ba oyo ba kozala la vertu ba bazana ba bon entendeur hein ba kozala la vertu au moins il y a des faits aussi simples à comprendre bozalaka place bobandaka bozalaka quelque part makamuse bandao salamate place bozalaka oui il prêchait bien il enseignait bien mais botala bien banda bolongo place bozalaka et bokoma esika o bokoma botala makambe koma osala est-ce que Nzambe po salela ye il a fallu na ba dimension wana il a fallu bolongo esika bozalaki bokoma place mususu pour que Nzambe salela dans cette dimension là point d'interrogation place bozalaki magoro do babimaki te place bozalaki bami selekete babimaki te mais lorsque bo changer lié bo monique ba magoro do bakomi kobima. Donc, vous savez, pour que Makambo Bongo et Salama dans une église, il faut que le lié est à la des dieux, au diable. Il faut que les esprits des démons soient contrôlés, y a lié wana, pour permettre bah événement y a l'olenge wana magoro de bimana banjo tabato bami selekete. Donc, le lié il faut la consacrer, dédié au diable. Vous savez. Dirigeant, un berger. À quoi Koko t'année dans l'occultisme? Il peut être dans l'occultisme. Mais ma kamusa Koko ça la tête tant que le lien n'est pas dédié. Or, le lien pour la dédié, ils ont ma kambe belé. Ils ont la babilo que belé qui démontre aujourd'hui, bah, tu vas comprendre déjà hein, ce qui concerne la pyramide, ce mon pyramide. Mais aujourd'hui, j'ai changé. Au moins la pyramidité. Au moins la pyramidité. Mais ils ont. Utiliser des symboles stratégiques. Pas symboles comme stratégiques, parce que des symboles là, on retrouve dans la Bible. En parlant des chandeliers. Au moins, je me souviens comment on l'a soutenu deux fois. Au moins, on l'a soutenu deux fois. Dans la cérémonie, on l'a soutenu. On l'a soutenu. On l'a soutenu. On l'a soutenu. À la chaînette, moi quoi croire. Bah, mon souci, c'est en termes de carreaux placés dans l'église. Nazo le babi. En termes de carreaux placés dans l'église. Et ça, la bah, couleur des carreaux. Aujourd'hui, ils ont utilisé la bah, esclade. Là où chair est allée. Ça communique. Ça communique. Ne blaguez pas avec les images. Placer devant chair dans une église. Ne blaguez pas avec cela. Ne blaguez pas. J'insiste là-dessus. Oyalingi a préservé son âme en ce qui concerne marque de la bête. Parce que marque de la bête, c'est juste l'appartenance au diable. Ce qu'on doit protéger ton âme. Parce que Bible dit, il n'y a rien que l'homme peut donner en échange avec son âme. Faut veiller sur ton âme. Comme maman n'est pas ignorant sauté. Parce que, il y a une marque de la bête. Aux autres qui ne reçoivent. Biloko, tu es placé dans la chair. Ça communique. Ça donne un message. Vous savez, lorsque l'autre est allé bosser la chair, ça veut dire que Miss Batounion s'est braqué la chair. Donc, Batounion s'est mis sur la braqué la chair. Et. Image, éloco, photo, symbole, qu'on les a placés dans la chair, ça communique. Ça communique. Donc il y a beaucoup de logos aujourd'hui, il y a l'église, ça communique que cette église est dans les noirs. Ça fait l'œuvre du ténèbre. Et Zamba Sungabiso, Zamba Salabiso Ngolo,
peut-être on parlera de cela pour dévoiler les œuvres de ténèbres. Pour dévoiler les œuvres de ténèbres, afin que le peuple de Dieu ait à la sauver. Donc, juste un peu ça, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait relever, mais toujours banga. Hein, c'est vous qui les rappelez encore des pasteurs, des serviteurs de Dieu. Bastika ngokala. Basalila ngosusté. Donc, être berger, j'aimerais m'adresser à tout homme de Dieu, pasteur, évangéliste, apôtre, docteur, ceux qui assument encore ses fonctions d'être berger des âmes. Sachons-le bien que nous avons une grande responsabilité de veiller sur les âmes. Et nous rendrons compte à Dieu sur chacune des âmes qui était à notre berger. Pour nous, ce n'est pas seulement un problème d'être berger, mais nous faisons un travail aussi comme les bons bergers. Les bons bergers qui est Jésus. Et c'est même tous là-bas, bons bergers, qui veillent bien sur les âmes. Et pour bien veiller sur les âmes, nous devons être sur la tour. Sur la tour, l'icolo. Être moto à ce saint-là. À ce quoi vertu le peuple. Dans toute vérité par rapport à la parole de Dieu. C'est un peu ça, ce que nous pourrons dire pour lancer un message au peuple de Dieu. Ok, merci beaucoup, évangéliste Prince Landou. Merci, Nabino. Bonsoir, aussi, Kolanda Bisso. Nakosé, Nabino, vous abonnez massivement. Balasima, tout comme Nabino, Bilo, Koussou, Yamalamou. Oyo kosala ke bozala epargne na bama kambusu oyo ezoleka na kati ya mukini o mbote na yo tedin timba bisiko zali na peso ba mbote bele na Gérald mbote lisusu na Gérald Kilumbu ba mbote bele na kati ya Paris na peso ba mbote bele tumunga na bino tumunani à la prochaine bye bye.